Et bonjour à tous les petits phénix, j'espère que vous allez bien ici Yaya Phénix. On est sur le septième épisode de Phobia. Avant de commencer cette vidéo, je tiens particulièrement à vous remercier du soutien que vous m'apportez. Vos petits pouces et vos petits commentaires me font énormément plaisir. Allez, c'est parti, lors du dernier épisode, on a trouvé une mitrailleuse. La clé 709 et la clé 404. Donc on va faire un petit tour de l'inventaire. On va poser le pied de biche. La carte bleue. Et je sais pas si vous en souvenez, on avait trouvé ce livre. Au hall, dans une salle. On va le prendre. Tac. Et avant de... Justement de... Aller à la chambre 709. On va aller au sixième étage pour résoudre un peu ce mystère avec ce livre. Il me semblait que c'était au sixième, une intuition. Et il faudrait que je trouve du soin aussi, ça serait cool. Tac. Alors là, j'espère qu'à la 709, il y aura un truc. Alors c'est là. Ici, vous vous en souvenez, on avait fait ça. On avait trouvé des codes. Tac. Qu'est-ce que c'est? On avait trouvé des codes pour ouvrir le coffre. Et j'avais même pas fait gaffe, il y avait une petite bibliothèque ici, vous vous rappelez? Tac. Alors, 7. Il y a encore des chiffres, c'est une histoire de chiffres encore. Dans l'ordre croissant peut-être. On va essayer. Tac. Ça bien sûr à la fin. Hop, les trois mousquetaires ici. Tac. Ça nous ouvre une petite pièce. D'accord. Pour avoir de l'amélioration. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Mais moi, il me faudrait des soins. Vraiment des soins. Hop, on va retourner. Non, c'était pas là. Toujours pas. On va grimper là-haut. J'y vais comme ça, sans armes. On va aller au septième du coup. Hop. Tac. Voilà le septième étage. Et on a aussi la clé 404. Ouais, toujours ces bêtes là. Hop. Nous embête. Oh, elle est là-bas, regardez. Hop. Oh. Voilà. Bon, toujours par trois, elle se déplace. Tac. Allez, on ouvre cette chambre. La 709, du coup.
Cette musique, toujours cette musique. Ah, il y a une main ici. Tringle à rideau. Ok. Voilà, on peut pas ouvrir. Hein. Ok. Oh. D'accord. J'en ai des frissons, les amis. J'en ai des frissons. On va aller retourner au sixième étage parce qu'il y avait des planchers, je sais pas si vous en souvenez, à descendre. De toute façon, on est obligé de revenir au septième étage dans cette chambre. Tac. Toujours regarder au plafond. Ce petit lapin. Regardez les plafonds. Là. Tac. Toujours se méfier. Encore plus 5 d'amélioration, ça c'est nickel. Bon, là on n'a pas la clé. Hop, on va descendre. Je pense qu'on va encore descendre encore plus bas. Encore plus bas. J'espère que ça vous donnera pas le tournis. Là. Donnez-moi du soin. Donnez-moi du soin. Non. Oh. Vous n'avez pas le choix. Ok. Je prends. Tac. Des balles, des balles, des balles. C'est Noël. Ouais. Le petit magnum qui va bien. Ouais. En fait, ça fait le tour. D'accord. D'accord, d'accord. Hop. Bah, on va redescendre. Et go le septième étage du coup. On perd pas de temps, hein. Tac. Et hop. On a 21 d'amélioration, ça c'est cool. Ouais, on va peut-être améliorer. Tac. Améliorer. Tac. Là, il y a la main. Tac. Du coup, là, il faut une carte blanche. Il y a la musique, il y a de la musique. Ça c'est cool. Ah, il y a un point de sauvegarde. Tac. On va arranger tout ça. Le magnum aussi, on n'en aura pas besoin pour l'instant. On a quoi? 2 balles, ok. Est-ce qu'on peut ouvrir ces portes? Ouais. Ça c'est nickel.
Un petit flacon. Toujours pas de bandage. J'espère qu'il y aura pas un boss parce que là. Des cartouches, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est? Oh, la carte blanche. Nickel. On va peut-être sauvegarder les amis avant de faire une erreur. Allez. Sia Phoenix, eh oui. Un petit clin d'œil au Phoenix. Alors, 95-68. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah, on a oublié d'améliorer. Ah. Améliorer vite fait. Au moins le pistolet en attendant. J'ai peur. Ah. Ah. C'est pas vrai, je loupe tout. On a quoi là? Ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez où, allez où, allez où? Ah, purée. On se guérit, on se guérit. Mais non, je veux pas. Ah, c'est fait exprès là. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Elle m'attaque quand je recharge, elle est maligne. Ah, j'ai plus de cartouches. Ah, purée.
chaud de night. C'est tendu comme la braise. Non, j'ai rien. Ah, je suis mort. Oh là là. Je suis mort. Je pense qu'on n'était pas loin. Je vous le dis clairement, je pense qu'on n'était pas loin. On va retenter encore une fois. Mais là, j'arrive devant le boss. Pas la moitié de la vie, du coup. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais où ils sont un peu les guérisons. Ça, c'est cool. Ouais. Tac. Alors du coup, on va faire l'amélioration. Quatre. Huit, on va lui faire mal. Hein. Là, on monte la cadence de tir. Allez, c'est parti. Tac. On va retenter. Il a fait un peu de mal avec la mitrailleuse. Oh là, elle me laisse aucune chance. Elle me laisse aucune chance d'entrer. Elle est énervée. Voilà. Yeah!
Ah non, mais non. Allez, cours. Allez, allez, allez. On a plus de balles. On est à sec. Il n'y a plus de balles. Plus de balles nulle part. Mais non. Mais non. C'est pas vrai. Mais non. Mais non. Mais non, mais non. Ah, c'est pas vrai. On n'était pas loin, je le sens qu'on n'était pas loin, je le sentais, mes petits phénix. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je le sentais qu'on n'était pas loin. Je le sentais. Bon, mes petits phénix, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce 7e épisode. Un nouveau boss à abattre. Compliqué, compliqué. Hein. Franchement, j'arrive, comme vous voyez, à même pas la moitié des points de vie. Donc, pour trouver du soin, c'est très compliqué. Une erreur de ma part, hein, avec le soin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne Yaya Phoenix. Un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous bisous.